Est-ce que Assimi Goïta peut se présenter comme candidat aux élections présidentielles? Merci beaucoup, Kouma. Nous allons répondre à cette question. Est-ce que Assimi Goïta peut-il être candidat? Nous allons répondre à cette question. Deuxièmement, nous allons parler aussi de hier ou avant-hier, je crois, on devait parler de la levée des sanctions de la CEDEAO, les sanctions qui pèsent sur le Mali. Alors, j'ai eu à échanger avec une amie qui m'est chère. Elle est en Suisse. Elle m'a posé la question, Keïta, est-ce que les sanctions seront levées? Je dis oui, effectivement, le 3 juillet prochain, les sanctions seront levées. Alors, quelles sont les conséquences? Quelles sont les leçons que nous devons tirer? Alors, nous allons commencer par là. La CEDEAO, la levée des sanctions. J'ai eu à le dire par le passé. Je le répète aujourd'hui. Rien n'empêche aujourd'hui, excepté Allah subhanahu wa ta'ala, rien n'empêche aujourd'hui la CEDEAO de lever les sanctions. Ce qui posait réellement problème, c'était la durée de la transition. Comme Dieu s'est fait les choses ont traîné, tellement que les choses ont traîné. En traînant, les choses ont entraîné avec elles un certain nombre de mois. Donc, la question de la durée de la transition ne se posait plus, puisque ouvertement, les Américains ont dit que le Mali a trop fait et suffisamment fait. Donc, il est temps que la CEDEAO lève les sanctions. Il est temps qu'on écoute le peuple malien. Ça, c'était les Américains. Grande fut notre surprise. Je vous l'ai dit, avant le déplacement d'Emmanuel Macron, je crois que c'est en Roumanie, je crois, où il allait rencontrer la Légion étrangère de l'armée française. Où il s'est adressé ce jour-là, j'ai vu beaucoup de mes jeunes frères qui sont sortis pour dire Emmanuel Macron a changé de langage. Emmanuel Macron, maintenant, respecte nos autorités. Emmanuel Macron, mais ils ont tellement vite oublié, que Keïta, quand même, il y a le devoir sacré qui est là, le devoir de rappel. L'histoire est un témoignage, vous pouvez nous l'enseigner. Et l'histoire retiendra que Keïta a dit que les Américains ont dit ouvertement à la France que la France gère mal la situation du Mali et que la France n'avait plus son mot à dire et que désormais, la CEDEAO devait lever les sanctions. Keïta l'a dit. J'ai dit, Emmanuel Macron a été rappelé à l'ordre et il n'a plus le choix. Emmanuel Macron doit composer avec les États-Unis. L'histoire est un témoignage. Keïta l'a dit. Keïta s'attendait. Et je suis allé plus loin. Le lundi, où notre ministre des Affaires étrangères, le grand Diop, au siège des Nations Unies à New York, on a vu l'ambassadeur de France qui a changé de langage. L'ambassadeur de France ne parlait plus de durée. L'ambassadeur de France a qualifié les autorités maliennes d'autorités maliennes. Alors qu'on appelait toujours nos autorités la junte au pouvoir. La junte au pouvoir. La junte au pouvoir, c'est fini. C'était avant. Maintenant, on ne les appelle plus la junte au pouvoir. Maintenant, on dit les autorités de Bamako. Le temps est un autre nom de Dieu. Ce jour-là, j'ai dit, voilà, l'ambassadeur de France vient de changer de langage. Lui qui, avant, ne parlait que parce que l'Élysée, je dis bien, il ne peut parler qu'en fonction des propos de l'Élysée. Il ne peut parler qu'en fonction des problèmes, des propos, comment on appelle ça, du Quai d'Orsay. J'ai dit, alors, j'ai dit, si l'ambassadeur de France change de langage, si l'ambassadeur de France tient de tels propos, alors Emmanuel Macron, son langage va changer. Je l'ai dit.
C'était avant qu'Emmanuel Macron n'effectue son déplacement. C'était avant le deuxième tour des élections législatives françaises. Je l'avais dit parce que tout simplement Dieu m'avait permis de comprendre et de voir ces choses-là. Alors, donc, la CEDEAO n'a plus le choix. La CEDEAO ne peut plus. Et je vous ai dit que le Mali se trouve aujourd'hui en position de force. J'ai dit le Mali se trouve en position de force. Le Mali n'est plus en position de faiblesse. Aujourd'hui, le Mali se trouve en position de force et la CEDEAO est obligée de faire le jeu pour que Nana Addo Akufo puisse partir plus ou moins la tête haute pour avoir peut-être semblant, hein, c'est ça, non? Pour avoir fait semblant d'avoir résolu une crise sur les trois crises. C'est-à-dire, Nana Addo, au moins on dira qu'il a pu régler la question du Mali, puisqu'il n'aura pas le temps de gérer ni la Guinée, ni le Burkina. J'ai dit, Nana Addo, le 3 juillet, c'est la fin de son mandat. Il s'en va le 3 juillet. Mais quel sera son bilan? Donc, au moins, il faut qu'il parte avec ça. Donc, la CEDEAO, pour ça seulement, voilà deux éléments, deux pressions, deux situations qui font que la CEDEAO n'a pas le choix. Oui, Traoré, je comprends ta position. C'est la même chose. On s'en fout de ce que... Mais comme nous sommes en politique, il faut que les chefs d'État se donnent la main. Il faut que les chefs d'État se soutiennent. Alors, pour ne pas que Nana Addo puisse partir vraiment humilié d'avoir échoué son mandat, il faut qu'on arrange un semblant d'entente entre la CEDEAO et le Mali. Donc, quand les Américains sont sortis, c'était du pain béni pour la CEDEAO. Quand la France a demandé, malgré la grande gueule de Macron, quand il avait reçu le traité sénégalais. Donc, à peine il reçoit Macky Sall, les Américains sortent et puis disent autre chose. Donc, Emmanuel Macron, tout de suite, il a compris. Parce que l'Élysée a dit, attendez, il y a Keïta qui est en train de dire quelque chose. Monsieur le Président, vous avez dit, il faut maintenir la pression. Keïta dit, les Américains, ils sont sortis pour parler. Monsieur le Président, Macron, dans la panique, il appelle un peu partout. On dit, ah oui, les Américains soutiennent le gouvernement malien. Macron, tu n'as plus le choix. Il faut mettre bas la terre. Tu n'as plus le choix. Il faut laisser tomber. À faire des pressés, pressés, là, il faut laisser. À faire de maintenir la pression, là, il faut laisser. Les Américains sont avec eux, il faut les laisser. Au moins, Nana Addo, il n'a qu'à partir la tête haute. Donc, il faut laisser qu'on trouve un arrangement avec le Mali pour que Nana Addo puisse partir la tête haute. Donc, Nana Addo va partir la tête haute pour avoir échoué. Oh là là, vraiment. Alors, ça, c'est le premier point. Mais ce n'est pas fini, Keïta va aller plus loin. La question que je me pose, ça c'était d'abord pour vous permettre de vous installer et de partager. Maintenant, vous avez compris. Maintenant, soyons ensemble. Maintenant, levons-nous. Maintenant, élevons notre esprit. Maintenant, cherchons à comprendre. Allons au-delà des apparences. Allons au-delà du physique. Allons au-delà de la conception matérielle. Rentrons dans ce qu'on appelle la sphère spirituelle. Essayons de comprendre maintenant. Ok? Les Américains, ils viennent, ils veulent nous soutenir. D'abord, on va attendre un peu. Revenons au Mali. La question que je pose, Niafo Bella Djenné, Sediaoko, Netadon Mouna, Albi, Anga Autorito, Anga Nyemro, Anga Djamana Nyemro, Mouna, Albi, ou Noronbe Sediao, la Tienre, la Keta, Teka, Famia. Basi tere, il va se retrouver fin de la Keita nyete muna. Il va se retrouver fin de don Keita te mundo, on recite mundo. Il va se retrouver fin de kalama. Oui, le cas jatimnel, nous mou bolo di sede au mab, c'est qu'a basi et malima. Au lieu de bar, on t'a don, on se fait une couille de la coula, puisque au lieu de be javana puna. Mais son angasso yorola. Yoron dobe, mna malion, ma fe, kanyini alafe. Nga ka mogo folo ya ka bon dakono. Ala ka ke fe na fama fe mbarka mai. Mina kuma ke ni foye. Nye jounal si do ka kala. Oka na ushibo wa jaka.
ko CDAO ni Mali bɛ jigin ɲɔgɔn na. Mais olu tɛ mun dɔn. CDAO ni Mali tɛ se ka jigin ɲɔgɔn na. CDAO tɛ se ka ɲini. N bɛna kuma kelen fɔ ye. U ko ko parce que ko loi électorale min votera ko b'a yira ko Asimi bɛ se ka kɛ candidat n'a y'a diya. Asimi effectivement, mais ni sariya dɔrɔn tɛ, hali sariya kɔrɔ la, a yirala ko Asimi bɛ se ka kɛ candidat ye. Shogel bɛ se ka kɛ candidat ye. Wage bɛ se ka kɛ candidat ye. Maro ni kuma parce que a yirana an na ko transition mɔgɔ si tɛ se ka kɛ candidat ye. O kumaw de bɛ fɔ. Asimi fana y'o de yira. Ko transition mɔgɔ tɛna ka ye, o y'Asimi kumakan ye, o tɛ sariya kumakan ye. Asimi bɛ se k'a fɔ, n t'a fɛ k'a ka ye. Mais jamanadenw b'a ɲini Asimi fɛ. Asimi a bɛnna anw jamanadenw ma. Asimi a bɛnna Mali ma. Asimi a bɛnna silamɛw ma. A bɛnna kerecɛnw ma. A bɛnna bolisɔnnaw ma. A bɛnna ni jamana mɔgɔ kelen-kelen ma. Asimi a bɛnna bɛɛ ma. Qui présenté jamana de biko Asimi tise ka Asimi ko kale be jamana de kama o jamana kele mi se fo Asimi démission rendu e ka candidature do o bina Asimi démission ke on ira bika candidature de la ka caution sera ki ke fin o bise ka ke o bise ka ke o bise ka ke mais sona nga se yamina njo nya ira bela ngo CDAO o ka sanction be sanction langolo ni nga bina wuli nin do mo sebe do ñoo soron kuma na ko keita bina ke nga bina ke sanction bina wuli CDAO sabotal CDAO sital CDAO tse ka bali abina wuli fin fla kama a folo CDAO président no nu e gagné on ka président nanado ale ka mandat bi ban kalo croix le 3 Je t'allote les sabats, allez qu'à fanga me ban. Maintenant, les qu'à fanga bana qu'à soro, allez desse la, jamana sabam ni coup d'état qu'elle a bella. Qu'à foko, allez desse la. Au moins, jamana kele, qu'à se ka, o jamana sabala, au moins, a desse la, qu'à kele ni sida ou gere nyongona. Mou obike, allez boulou échec bali. Obena ken nana boulou, malua bali. Gana reka toko tien bala. Mou don, o kama, CDAO bɛna kɛ cogo bɛɛ la u ni Mali ka se ka bɛn puisque déjà délai min fɔla u sɔnna délai ma délai u sɔnna o ma ka ban a tɔ ye dɔrɔn baara ni baara minnu bɛna kɛ a kalo 24 kɔnɔ kalo 24 tɛ tuguni parce que kalo 3 bɔra a la ka ban donc an bɛ se ka fɔ kalo 4 yɛrɛ bɔra tɔ tora kalo 20 donc ni kalo 20 kɔnɔna la juma ni juma de bɛna se ka kɛ mun ni mun de bɛna se ka kɛ. Mais CDAO président Mounoube, comme CDAO président, au bout, club de dos, CDAO est président dans le club de Terry Club, Jamana Club, Kafoko, Jamana Donga, Gerignona, Jamana Donga, Kenyon fait, car CDAO qui marche bel et bel, autour du cas Jatemine, car Jamana Dunyonana, autour du café, au Luther, club de dos, Ninonche, Nemuna Franchina, Bébé Wilkata, mais au Béga, Jamana Don, Toroku, ni Toroku, Bono, ou Nina Kumamina, comme on m'a dit que Sénégalais, comme on m'a dit que Niger, moi, je te kuma. A ma présence, chier, ka Wiluku Dadola. Donc, Anyamoula, voilà. Donc, Oriato, c'est là au présent, on a que Chourbella, Nana, Do, comme on a fait un débat, Kaloukroa. On est Malika Sikapé. Oui, c'est là au ref, n'est pas déjà terminé. Mais au kuma au ken me ku u bugoka au kuma kana poi gambo mais beba no fait be famille ke beba ko wichi nana abdo il a échoué a kamanda ma ke fouyi a masika fouyi dingle de la aita makronka nana nana kuma naka kalokalo kauma foka na do filila au kof a flana djuma CDAO sanction be wuli a follow we nana do a flana djuma we american ga position. Américains bola yɔrɔ min na dɔrɔn bɛɛ tugula Américains kɔ. Américains bola yɔrɔ min na don min na Macron bɛ ka Macky Sall reçoit a don Américains bɛ ka fɔ Mali la ko a y'aw seko kɛ foyi tɛ bɔ a ye 24 mois min fɔ foyi tɛ bɔ a la a y'a ka kilogramme dilan an b'a ɲini CDAO fɛ CDAO n'aw ka bɛn foyi tɛ bɔ n na Macron bɛ ka Macky Sall reçoit kuma min na k'a fɔ ko ka pression da Mali kan Américains ko ko pression ko kuma tɛ yen a don tile kɛmɛ ma don u ni ɲɔgɔn cɛ. Les bisamado ni ngon tie les flamado ni ngon tie amen ba les kelé aliba ka kuma la domina francis
o don amerikaw ka ciden bɛ bamakɔ a fana bɛ ka ci fɔ maliyɛnw ye don makɔrɔ nana jate minɛ kɛ a sina k'i muɲu o yɔrɔnin bɛɛ an ma ye Macky Sall nana foyi ma fɔ an ma ye Macky Sall nana ka bɔ faransi kuma foyi ma se ka kɛ yan foyi kuma foyi den kelen ma se ka kɛ yan parce que u y'a dɔn ko u ye ci dɔ f'olu ye mɛ mun ma a ci don ba mun bɛ barika don n ka kuma na tɛnɛndon Diop talen ka taa kuma MINUSMA ka ko la faransi ambasadɛri kuma na a ye mun de fɔ k'olu b'a fɛ diyagoya ko ka to mali kɔnɔ ka intervasiyɔn kɛ Diop ko k'a tɛ to mali kɔnɔ bɛnkan t'an ni ɲɔgɔn cɛ an t'a fɛ k'aw sɛgɛn mali kɔnɔ aw ka avion kelen a tɛ pan mali kɔnɔ n'i y'a bani aw ni mali cɛla kɛlɛ de don foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ tuguni an t'a fɛ k'aw ye mali la u y'o fɔ k'o jɛya faransi bɔra ni projet dɔ ye resolution rusiw ye veto da sinuwaw ye veto da u y'a bloqué faransaw ka ambasadɛri ye mun de fɔ a ko ko tiɲɛ yɛrɛ la k'u b'a ɲini mali fɛ mali autorité ala dalakan falenna a tɛ fɔ tuguni ko jeune au pouvoir dɛ a tɛ fɔ tuguni ko ceux qui sont issus de deux coups d'état o tɛ fɔ tuguni dɛ sisan ko mali autorité donc ko les autorités k'u b'a sisan ko mali autorité k'u k'a kɛ cogo bɛɛ la ko ni CEDEAO ka se ka bɛn n'u bɛnna u ka chronogramme dɔ présenté chronogramme bɛ bɛɛ nafa o ye faransi kumakan ye nations unies la don min na Diop ta la Keita dun y'a fɔ ko a y'a sigi ka jateminɛ kɛ faransi dalakan bɛ falen sisan a ye sigi a ye jateminɛ kɛ faransi dalakan bɛ falen sisan n y'a fɔ a ye a dɔn ala ye kuma sɔn ji la faransi dalakan falen la Emmanuel Macron ani Macky Sall ka kuma kɔfɛ ani Macky Sall bɛ kuma don min na o tun y'a sɔrɔ élection législative députés ka kalata tun ma kɛ mɛ députés ka kalata kɔfɛ Macron ye voyage dɔ kɛ. N t'a dɔn Roumanie wa yɔrɔ jumɛn a taalen a ye mun de fɔ a ye Mali autoritew tanu k'u fo a don a y'a ye maliyɛn bɛɛ wulila réseau ka fan bɛɛ Macron ka kuma de tun bɛ yen mɛ Keita y'i sigi a y'a lajɛ a yɛlɛ ko la parce que Keita tun ye nin fɔ a tun ye taamasere yira mɔgɔw la a ko hey kuma banna koyi ni ko banna faransi dɛsɛla nɔ ko amerikanw y'a yira o la ko a dɛsɛla an tɛna to mali ka tila an bolo ka taa rusiw bolo c'est vrai u ni rusiw bɛ ka baara kɛ mais an t'a fɛ a ka tɛmɛ nin niveau kan faransi ye i senbɔ la an yɛrɛ b'a tɔ minɛ ni maliyɛnw ye o ye amerikanw kumakan ye Macron y'a dɔn o yɔrɔ bɛɛ la k'a ka politique en afrique il a échoué an m'a ye Macron sumayala kɔrɔ b'a la mais sisan ni o kuma bɛ an bɛna développer ka taa dɛ mais sisan sariya a yirala fɛnɛ ni an ka sariya kura min sigila dɔw ko ko sariya kuma kɔnɔna la ko Asimi bɛ se ka kɛ président ye dɔw ko ko o kama CEDEAO ni Mali tɛna bɛn tuguni dɔw yɛrɛ ko non a yirala ko Asimi tɛ se ka kɛ président ye mais o ɲinana sariya kura tɛ o sariya kɔrɔ de don. Mitla tuni ngana ka kuma kanta kai kuma koro dedo sisan Keita devina nyini ala fe ala ka Keita deme Keita devina nyini mali on fe sisan mina petition de lancer ni ala ka jey mina mo nyini ku faranga nga petition lancer ka nyini mali on fe na ba fe Asimi ka ke president amanjo sharia fo chugo mina transition ni transition tɔ la kalo naani ou bien kalo wɔɔrɔ an b'a ɲini Asimi fɛ Asimi ka démissionner an bɛ pétition lancer pour que maliyɛnw ka wuli k'u jɔ ka ɲini Asimi fɛ ko Asimi ka kɛ président ye n bɛn'o kuma fana de développer mun m'a yira Asimi bɛ se ka kɛ président ye m'o yira sariya m'a to a ka kɛ président ye m'o kalan a k'o mɛn k'a fɔ a tɛ ka foyi fɛn dɛ an bɛna o pétition. Mina mɔgɔ ɲini k'o fara n kan mun bɛna pétition kɛ ka ɲini maliyɛnw fɛ maliyɛnw ka wuli k'u jɔ ka ɲini Asimi fɛ n'a pétition résultat bɔra an bɛ taa kuluba ka taa yira monsieur le président an ye pétition lancer an y'a ɲini maliyɛnw fɛ n'u b'a fɛ i ka kɛ président maliyɛnw ko k'u sɔnna n bɛna ɲini fɛn fɛn fana bɛ an dɛmɛ nin baara kɔnɔna la n bɛna ɲini u fɛ an ka se ka tɛmɛ u ka émission la ka kuma kɛ. An ka se ka tɛmɛ radio so la ka kuma kɛ
pour que Assimi Missé a été candidat et Tchouroumina. Et Baram Damne, à quand Bara là-bas? Parce que ni charia kono taka segintala asimi mise ka kai ni transition totra kalo woro ou bien kalo nani asimi be démissionner abi présenté donc asimi mise ka ke candidat ka foka tsika ke candidat dalo de de as atete clétéré côté clé asimi mise ka kai amina ndama ko fenela donc a quand on m'a bâché de temps en temps, n'a c'est qu'à expliquer, puisque ni mon rôle n'a pas direct là, n'a c'est qu'à fond dans la canal, le fond de famille. Eh bien, voilà. Donc, il y a une initiative qui est, maïra aoula, ni initiative ni keita foloka initiative, aïe serré, Allah est serré. Anje n'y a une initiative ta. Ka espoir fama ou yoke alibi abe sena. Me keita ka initiative asimi ka ke candidat ou de keita tay. Asimi ka ke candidat ou de keita tay. A barab se ka ke ka nye choumina ame ala delola. Moun mse ka ante ma barab fenen na ame ala fenen deli ala ka no lu nyege keli. Me ama ke choubela. Aya seben, aya partage. Aya kumulote, ko keita ko asimi bise ka ke candidat, metla ka sharia article boko dama, ko keita ko, ko ka petition lancée ka nini ko asimi ka ke candidat, malien beki dado la, en tout cas, na kwa ba asimi fe, keita ba nini bela jene fe, ni a kum folo, ni keita bebo dungo yo, au moins, na mena ni kuma damine, akana ke mwo, mogo ba ke mogo ba fla connection amaji janga ke mogo ba duru mogo ba ta ka kuma ke deba me amsi ga asimi amsi ga kabara ateke kom asimi chekadi asimi chekanya ko ote chenya ko te asi hakil na bara mumala ka jamana ndeme anka mudi amsi ga blasra chugudi malib si ga bon nokola chugudi malib si ga tanye chugudi ni asimi ya ka bara continuer kafo sanduru kana sanduru wara fraka 10 ans we kuma bani mogo mogo ni nana asimi kofe itse ka bara wara ke ni ka malisa boke ni bibe boni sra wara malion be yini nga antindo re ni da lo jumai ni kokora jumai on ma signe ni antindo donc alors on va commencer à parler des États-Unis et à partager faites monter le mercure et à partager alors donc Faites monter le mercure, partagez. Alors, les Américains, on va parler de la candidature d'Assimi, ne vous en faites pas. Les Américains, ils demandent que la CEDEAO lève les sanctions contre le Mali. Mais je vais demander à chacun d'observer quelque chose. Je vais demander à chacun de regarder et d'observer quelque chose. Aujourd'hui, quand nous regardons la situation, je dis bien observer, les Américains demandent la levée des sanctions. Mais regardons la situation du Mali. Prenons par exemple la livraison des armes. Partagez les gars. Prenons par exemple la livraison des armes. Les armes étaient livrées régulièrement au Mali. On recevait les armes régulièrement au Mali. Mais depuis un certain temps, on ne reçoit plus régulièrement les armes. En tout cas, on n'a plus les informations selon lesquelles le Mali reçoit correctement les armes. Ce n'est pas un fait nouveau. Tout le monde sait observer, tout le monde sait voir. Mais cette situation a commencé quand on a vu que le Mali, d'abord la CEDEAO a signé un accord avec l'OTAN, un accord de coopération militaire avec l'OTAN. Et on a vu l'intérêt que les Américains portent à la CEDEAO. Et en même temps, les Russes commencent à constater que le Mali s'accroche toujours à la CEDEAO. Alors que nous savons tous que tu ne peux pas être de la CEDEAO
avec l'OTAN et prétendre donner la main à la Russie. Ça va être difficile, très difficile. Ça va être très, très difficile. Et d'ailleurs, ce n'est pas fini. Qu'est-ce que les Américains ont fait encore? Les Américains ont demandé à Zelensky, à travers le président Emmanuel Macron, l'Union africaine a permis à Zelensky de s'adresser au chef d'État africain. Attention, écoutez bien ce que je dis. Et je demande à nos autorités d'écouter très bien parce qu'elles savent très bien de quoi il est question. Aujourd'hui, l'Ukraine veut que tous les pays africains se donnent la main pour soutenir l'Ukraine, pour dénoncer l'agression de la Russie. L'Ukraine veut aujourd'hui que les États africains soit solidaire avec l'Ukraine et dénonce l'agression de la Russie. Ce faisant, beaucoup d'États risquent de se retrouver en déphasage avec les accords qu'ils ont signés avec la Russie. Donc, on veut utiliser une situation de guerre. On veut utiliser un pays, l'Ukraine, pour demander à l'Afrique de condamner, puisque les Européens ont échoué, les menaces du FMI ont échoué, les menaces de la Banque mondiale ont échoué, les menaces de l'Union européenne ont échoué. Les Africains sont restés droit dans leurs bottes. Maintenant, on demande à l'Ukraine de prendre le devant des choses. Donc, l'Ukraine vient par le canal de relations avec l'Afrique, amitié avec l'Afrique. Et en même temps, l'Ukraine va demander à l'Union africaine de condamner l'agression russe. Si on le fait tel qu'ils le veulent, ils le souhaitent, on se mettra en désaccord automatique avec la Russie. Automatiquement, on perdra le soutien de poids de la Russie au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les lois seront, les projets de résolution vont passer. Il n'y aura aucun veto. On sera livré à nous-mêmes, à la merci de l'Occident. Donc, on veut utiliser l'Ukraine pour régler un contentieux avec la Russie en manipulant les pays africains. Partager. Donc, à ce niveau-là, voilà pourquoi j'ai dit au Mali, faisons beaucoup attention. Si Zelensky a pu s'adresser à l'Union africaine, un jour, Zelensky va demander à s'adresser à la CEDEAO. Et Zelensky, tel qu'on l'a vu, un manipulateur fainé, c'est lui qui a poussé les États européens à retirer leurs entreprises de la Russie. Tellement il est fort dans la manipulation, tellement il est doué dans l'art de manipuler, il a amené la plupart des entreprises européennes en Russie de fermer boutique. En passant par la CEDEAO, c'est le même jeu parce qu'il a tellement bien réussi à amener les entreprises occidentales à fermer en Russie. Il est beau parleur, un manipulateur. On l'envoie en Afrique pour manipuler. Un comédien, merci beaucoup M. Traoré, un comédien. Donc, on demande à ce comédien-là de venir s'amuser avec nos États, avec notre souveraineté, notre dignité, notre honneur. On lui demande de s'interférer dans le choix délibéré de nos États de travailler avec tel. Alors que le Mali l'a dit clairement à travers M. Diop, personne n'imposera quoi que ce soit au Mali. Voilà qui a été bien dit aux Nations Unies et je pense que cela devait s'appliquer à la CEDEAO. Le Mali n'est pas obligé d'être avec la CEDEAO parce que cela va créer un antécédent. Cela va créer un fâcheux désaccord. Il faut qu'on soit honnête. J'ignore pourquoi le Mali s'accroche toujours à la CEDEAO. J'ignore ce que le Mali recherche. J'ignore ce que veut le Mali. Mais aujourd'hui, les Russes
Je l'ai dit il y a longtemps, on ne m'a pas écouté, mais beaucoup commencent à le constater. Aujourd'hui, la Russie a mis un peu le pied sur le frein. La Russie observe par rapport à la livraison des armes. La Russie ne peut pas livrer ses armes de haute technologie au Mali pendant que le Mali tend la main à la CEDEAO, pendant que le Mali tend la main à l'Ukraine. Donc, à un moment donné, il va falloir que le Mali clarifie de façon, je l'ai dit une fois, je le répète aujourd'hui, le Mali doit clarifier sa position dans cette histoire de l'OTAN. Le Mali ne peut pas ignorer l'existence d'un accord entre l'OTAN et la CEDEAO et demander à la CEDEAO d'ouvrir les frontières et de réintégrer la CEDEAO et oublier qu'il y a un accord entre la CEDEAO et l'OTAN. Et sachant bien que l'OTAN, c'est la branche armée de l'Union européenne. Une branche armée créée contre Vladimir Poutine, contre la Russie. Le Mali doit faire un choix. Un choix judicieux. Le Mali ne peut pas continuer. Il faut que le Mali soit clair. Le Mali doit dénoncer l'accord avec... Parce que ce que la CEDEAO a signé, le Mali n'y était pas. Donc, cet accord ne peut pas engager le Mali. Et d'ailleurs, le Mali peut trouver une voie de sortie en disant, je vais faire, comme on appelle, adopter par mon assemblée, l'Assemblée nationale. On va poser la question à l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée nationale estime, donc nous pouvons faire partie de la CEDEAO, mais on ne se reconnaît pas dans l'accord que la CEDEAO a signé avec l'OTAN. Donc, le Mali peut être dans la CEDEAO et ne pas être, ou ne pas se reconnaître dans l'accord avec l'OTAN. Franchement, je voudrais interpeller les autorités maliennes à bien réfléchir, à faire beaucoup attention, à ne pas tomber, parce que la Russie observe. La Russie attend une clarification nette du Mali. La Russie observe. La Russie regarde. Donc, la Russie ne va pas comme ça se jeter, continuer à envoyer ses armes hypersoniques, hyper sophistiquées, des armes de dernière génération, pendant qu'on ne sait pas si oui ou non le Mali va travailler avec demain l'OTAN. Il faut que ce soit clair. Le Mali doit clarifier. Et parce que, je vais être honnête, tant que le Mali ne va pas clarifier ça, la Russie, il y a des armes dont le Mali a besoin que le Mali ne recevra pas. Le Mali a déjà reçu certaines armes, mais je crois qu'il y a des armes de pointe que le Mali, la Russie ne va pas les donner au Mali. Ils le savent. Nos autorités le savent. La Russie ne va pas donner ces armes-là. La Russie va continuer à soutenir le Mali, à appuyer l'économie du Mali, à poser les veto. Mais en ce qui concerne les armes, Poutine a dit, je ne me fais pas d'ennemis, donc le Mali ne sert pas. Mais la Russie se réserve le droit de refuser de donner ses armes de pointe au Mali tant que la situation du Mali avec l'OTAN n'est pas clarifiée. Il faut que cela soit clair. Mais le Mali même peut dénoncer cet accord. Parce que cet accord-là ne repose sur aucune base juridique, aucune base légale. L'accord que la CEDEAO a signé avec l'OTAN ne repose sur aucune base juridique. Donc juridiquement, le Mali n'est pas impliqué. Légalement, le Mali ne se reconnaît pas. Voilà des propos que le Mali doit dire de façon claire et nette. Comment le Mali doit rassurer ses partenaires? Le Mali ne se reconnaît pas dans ces genres de trucs-là. Il faut que cela soit clair. Il faut que cela soit vraiment clair pour tout le monde. Et je le dis, les Américains ne sont pas venus parce qu'ils aiment le Mali. Les Américains sont venus pour défendre des intérêts. Les Américains ne veulent pas voir le Mali entre les mains de la Russie. Les Américains ne sont pas venus parce qu'ils aiment Assimi. Ils ne sont pas là parce qu'ils aiment Shoghi. Ils ne sont pas là parce qu'ils aiment Keïta. Les Américains sont là à cause de leurs propres intérêts. La Russie est une menace en Afrique. Si la Russie prospère en Afrique, alors aucune sanction au monde ne pourra faire plier la Russie. Si la Russie prospère en Afrique, aucune sanction dans le monde ne pourra faire plier la Russie. Ils le savent. Donc il faut éviter que la Russie puisse étendre son influence.
Si la Russie réussit à étendre son influence en Afrique, en Amérique latine, en Asie, c'est fini. C'est fini pour les Européens, c'est fini pour les Américains. Comment ils vont le faire? Donc il faut faire tout pour bloquer. Mais il faut qu'à Djéa, Albi, Malika, Sali, Malika, la position Djéa, Russouye. Poutine, quoi, elle était. Non, qu'elle est non, elle est là. Malibé, tiens, elle est non fait. Américains flènent, n'y a eu la aula depuis deux fois, on a Américains ou d'un. Mou, Américains veut faire le non fait. A tout comme Malika dit Américains, a tout comme Sugar qui dit Américains, Yassimi qui dit Américains, ou bien Malion qui dit jamais Américains, mou, t'es mou, dingue là. Américains, béa, nata de kama. Ou n'y avait fin d'or de la haute, y'a trouvé qu'à commander CDA ou CDA ou Katiesse. Malika n'a clau là. Ni Malik la CDA ou là. Au coro, qu'au reçu celui là. Au coro. Ko jamana woro bina Mali la dia. O koro ko jamana woro bina Rusu wole. O koro ko Rusu bina komanse kana Afrique. Ou fanga bina bunya Frafina. Ou fanga bina bunya Amérique latine ani Asie. Donc, il faut que Rusu ka bloke ni chogobe. Autant ni accéder au accord fléni. Mais Mali kan li ksan ka yira. Ale date ni autant ko la. Allez sinté ni autant ko la ni autant ko allez d'adonyorotala Malika ka position faut ka djeya ka document sebe ka tisse dauma ou sinta la bu sinta la sin ka ira risoula. On est en partenariat, jamais on est avec l'OTAN. On est membre de la CDAO mais on ne se reconnaît pas dans l'accord. Malika nga ko faut ko djeya ni Mali o faut ko djeya parce que fin obé mo faut ko gelia. En tout cas, maintenant, sur la Russie, au moins chaque deux semaines, à Menibaye, chaque trois semaines. À côté, Kalo Kelimbo. Mais à Bénin, à Kalo Djulubobi. Allez, Russie, ma mère, qui sait qu'elle est une chicane à Malia Follow. Parce que Russie veut déjà terminer là. Ni autant qu'au, à ma Béouma, mais comme vous êtes quelqu'un, oui, c'est qu'il m'a oublié qu'à Malia Dje. Malika position est mounée. Malika gringri gringri ban sede au nofe, Malibe mune nofe, Malibe ka mune nini. Mais amba do ube ko, anse ka fonga nga fama ou te fin kalama, ube fin kalama, uba don vita yoromna, ube otan, ani urisu tchela uba don. Amerikon dabi nukola kumena uba don. Union Européenne ou ila kubeta ou desela kata. Francisco kabeta a desela kata. Amerikon nana, beta don. Qu'on n'a de dos. Beta donc, qu'on y avait fin d'ordre là. Beta donc, qu'on y avait fin d'ordre de nofait. Mais au fin, on tisse au côté du sous-bolo. Où m'a redéguer les temps d'encore? Fin manga jamana bolo ou n'y a beau de là. Fin manga jamana kono ou n'y a beau, sinon m'a redéguer les temps. Américains ou marotana, Européens ou marotana. Ou t'as fait le sous de terre à Daoga. Autant qu'au Gazantéo. Au Toronto, où y'a n'y a Macky Sall, où y'a tout Ukraine président, à Koumanani Frafin, président d'Amadamaye, à Mounifo, Kaba Feko, à Chido Nord et Blanc, Frafunga, Boloka, Ukraine, et ni Alatje, ni Redoroma, Bissi, à Temenika, ni Fouari, Djamana, Djamana, Narasili, Kelami, ni Ka Djamana, Mirechi, excusez-moi, on a été un peu interrompu, donc reprenez les partages s'il vous plaît. Djamanam bini ka chikaban. Rusu bini ka tla djamanam na. Rusu be ka djamanam bunte. Djamanam re to te foye, fo kiev dron. Oko we frafou la dje, ko kom ay dese bakato e djamanam we, setaye, fem ta obolo, nebna mrobla, mumbe, mumna mumbla, Frafunga kukuna. Ala. Doya membe temeniga. Mejonde yake. Macky Sall fuwari den. Macky Sall président langolo den. Ode nasi frafunga. Donc chef président kote. Aya onfleko an yine bali la. Kan wye kongoto jamanay. Ko gela gela banka. Ko Poutine noredo. Me o Poutine kelende bato fa. Al kamala. Kukana di malima. Mali o sambolo.
amade la foi de la ou elle comme bolami amabo ukraine ou elle comme bola russie là. Est-ce que on va al comme jawari de cape bo ukraine en al comme c'est ca bo russie fait. Donc au président américain et européen de Haïti, parce qu'à Thieb, c'est Koumala, comme donc aussi, c'est encore comédien de l'eau. C'est-à-dire que, effectivement, comédien de l'eau. Et théâtre Bola de l'eau. Abse Koumala. Abse Koumala. Aïe, c'est-à-dire que, aïe, Koda européen, ou quand une entreprise fait tomber Russie, là, où il y a Bédatou, aïe, dame marocain. Na wila soroma a beni jamana goshi a beni jamana lamalua a beni jamana burja ou bayou kantre president ou donc comme a yo ke kanye ou kwa masisa a toye fra finale ye Europe mineko di Amerikon ma ye Europe mineko dans l'Europe Europe a urushiko la tuni Amerikon desela mouna ou yale kele li blau la nya ye Amerikon beka war badi a war klantia bebe detune kata tcheka konti kono. Parce que les Américains décèdent là, ou t'as donc vu ces Européens boire du sucre, boire du chocolat. Mais ni président, foire d'ing, galantiga la d'ing, aye Européens ni du sucre, cordonnier on a yoran ingélé. Comme on y en a boire, à jal Américain oui, à ben Américain ma, c'est y a qu'un rapport que Biden y a blâmé, c'est un cas en Afrique. Macky Sall ou un cas en Afrique du Sud d'ailleurs. Tiens Kumana, à Kumana. Aye galo soubeta gada Poutine ga. Kale bina représentant spécial blanc. Moumbe frafou mouka kopuna. Ukraine. Djamana rete bolo touni. Garibi ni gatle ga fembe la. Fou yu rete le. Ou bina nyiri frafou ne fe sisa. Frafou beka wuli ka koumani kankile. Frafou beka wuli ka yorishi ou kondane. Ou ye mouke amabe. Donc, ka frafou kodo rishu la. Quand on a bimbalé à dos, on a une onche. Quand on corde, on a une onche. Quand on corde, on a une onche. Le ressort, c'est qu'on a une onche. On a une onche. Le ressort d'abonnés frappés. C'est un européen et américain. On a une onche. 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 On Zelensky ou coup fratal. Zelensky, mon langolo tete maka. Zelensky galantigalate te maka. Anga nyemogo kouyere frati otan kola. O kouyere frati Amerikan gan kola. O ka sabali. O ka risou laje. Risou de ou johan jili akoro. A gana kumamina ka nyangami ambolo. Risou de nana ankungoro ka andemede anga tchinyofo. Don ne ma nyine anga nyemogo fe. Albi. Ntaro ni korebe sina. Ntaro ni bambalea dobe ou ni risou tche. Nte fenche ma kalama. Men ni selia ou kou nou noron bala. Akana ke ngomi ambolo de. Kako jeni ka nye jeni. Anta soro ni risou ye. Anta soro ni nou ye. Kan blan yere ma. Ala kan kisou ma. Donc. Mina ni rofo kou gila. Sisa. Ka yira nile ato. Selia ou tse ka. Quand le courant a cédé à ce qui ban, quand les sanctions ont été. Sanctions ont été, est-ce qu'on a fait mal? A été, est-ce qu'on a fait mal? Parce que, quand on a fait mal, on a fait mal. Mais on a fait mal, on a fait mal. Francis de Norme Diagoya, il faut que aller ka ministre ka sécurité assurée. Andou ya yira Francis la wo foy dengelite emi on tche tougni. Akor tani nyongon tche. Ben ganyan foy dengelite tani nyongon tche. Itize kana mala ki bi opération foy dengelite ke tougni menusuma togola. Donc anya nyini. Nations Unies fe. Ou kou djidja. Ka yira menusuma la kou désormais. Menusuma ka soutien aérien. Fama ou deba assuré. Mali, ka armée de l'air, ou divina assuré. Francis Tetouni, Francis Koukouma Bana, Francis Daroté, Dabeuroté Touni. On y a foko djéa. Donc, ministre m'a fait beka hagilnani amirianto ou la doni.
En même temps, sanctionne Manawuli. Problème d'aurait B, il faut qu'on vous fasse. Il y a une sanction où il y a banni ou t'as banni. Djouroubade ne tombe Mali là. Sanction qu'on a la Mali, c'est là qu'on djouroussara. Au djouroudou, ni ma djouroussara, d'où il y fera intérêt qu'on gata. Ni dessera qu'on djouroussara, d'où il y fera intérêt qu'on gata. Ni sanction bina wuli, abina wuli ni kan djumani. CDAO bina garanti djoué. Umoa bina garanti djumani ta kafo. Ni sanction wila kabo malika. Intere moun fefe na farala malika djuruka. Ni sanction kon lala. Akadi kouka a intere koku be wili kaboy. Wili bina fowa, wotina na fo. Ufene yinigali doye. Parce que le Mali, toi vous va faire manquer le Mali a fait défaut de paiement. Au cours de quoi Mali dessine kaka djurusara. Mali dessine kaka djurusara. On a un problème de BCA au con là con. Mali dessine kaka djurusara. Interroge yelena. D'offre la interroge. Sanction mana wuli. Oli ato manini anganyamogo fe. Manini premier ministre fe. Manini ministre de l'économie et des finances fe. Ou kasri ka jatemine ken ani président ni sanction wila le fait que andes la ka djourou sera parce que sanction tombé intérêt mou fara la ka parce que ni en général intérêt barka reka boni erebeu ereka na djourou sera intérêt reka tchanoi donc au komina ka tchougodi mais ne ka hakina tay fitini mouye ne bina o lasi aploma. Ni sanction illégale, ni décision d'OTA sur une base juridique. C'est une décision Moutala, c'était une décision politique. Donc, à décision politique, il n'y avait pas de base juridique. Au corps mouillé, où il y a décision politique, il y a décision charia djorot Moutala. Parce que au mou basé charia kanga décision ta mais au you basé politique sera de kakata donc charia ma bunya charia ma bateau charia ta fouy dengere kunta la ou kela fili folo donc au kon la la Mali ye prochem gagné nous bana ko sanction te ouli Mali ye prochem gagné Mali kanga sinon au pros au Mali bin au grosse d'état katane a kak djurman tougoufi a yira la charia kon la la ko bengani kela malika o kon la la intérêt fait fait calculer la maliti se kasa sharia ya ya ko maliti se kasa malidun nasara donc il faut que o bara fene tanga ka ketuni donc amanga nyamu ko fene welo la ka wili ka joko la ka nyenyini ni ko la ni sanction wila dron o ka ta justice la o ka intérêt la die. Intérêt, n'a fallu qu'on mali basara, mali ta sara, à quelle benganine. Nous manions qu'on kassara, à wari, à betla, à jamana wolo blani mionche. Jamana bebe dorsara la. Parce que oulu non dedo. Ou ya ke ou ma sharia bato. Donc n'a fallu qu'on mali basara diagoyala. Donc diagoyalu fene dedo, à wari, à betla, mali ni jamana be, à wolo blabe, ou bebe dorsara la. Ou be. Au con la fenena, merci beaucoup, Matla Kumala au Traoré. Au con la fenena, Benganim Kala Malika, avec Gassila C. Malima. Mais comment Mano en a prison, il faut redonner, il était cher, il faut y battre. Mais Amanini Albi, plainti Oreka de contre la CDAO et contre l'IMOA. Quand il y a une décision politique montante, sans aucune base juridique, avec Gassila C. Malima. Donc, Le Mali demande une réparation. Le Mali demande une réparation. Mali fait une grande coquette. Quand faut que sanctions ou l'amas que panga ou les coups t'as sanctions manawuli amé sorbelike. Oui bengalimke. À bengalou basra. Parce que ni mouma soro quand faut que kasra abou avec kounyana kou ou y femke kou jodelo ou y femke. Koketa de do, ou djote, koketa te, ou ye sharia soso. Il faut que, ou beka sama kata justice la, kata kumake. Nous perdi la.
Thomas, j'ai interrogé ça le Mali. Le Mali ne doit pas se laisser marcher là-dessus. Mali Fenekan qui prépare au Kama. Non seulement intérêt nous nous faire la caoté Sara, mais dommage intérêt au bas Sara Mali. Où y a Sarao, où ma Sarao, Dondola avec Sara. Parce que c'est une décision de justice. Forcément, Dondola avec Sara. Non, quand je dis 7 pays, c'est le Mali n'est pas inclus. Voilà pourquoi j'ai dit 7. Sinon, c'est 8 pays. 7 plus 1, ça fait 8. Donc, au début, il faut qu'à Guéléa. Naoudia ou Goubanga Sarabi. Mais sini, ou deu, ou bien ou modeu, ou bas Saramali. Anteni kelege ka foko, on redi magoba warla, on teo. Jamana dedo. Ou ye benganin ke jamana la. Ou de be yira. Histoire kanga don ko bengali kela malikan. Ko mali fene maçon. Mali fene wila ki joni charye. Mali gagne la. Ou fene kanga ke diagouad la. Amou nyiri ala fe. Amou nyina kira fe. Mali fene nga usira tama. Voilà. Maintenant, nous voulons. Anya y a sharia kura kon la la. Pour une nouvelle loi électorale. Donc, oui, là. Pour militaire ou bafé. Koka yurugu yurugu do sharia la. Koka. Koku yur est maintenu fongala. Alors, ce que je disais rapidement. Le Mali, si jamais les sanctions sont levées, on demande au Mali d'introduire une requête à la justice pour dire que le Mali ne peut pas payer les intérêts qui ont été surfacturés pendant les moments de sanctions. Puisqu'il a été démontré que les sanctions étaient illégales, injustifiées, inhumaine. Donc des sanctions qui ne sont autant pour moi qui ne reposent sur aucune base juridique. Donc juridiquement, le Mali a été, si vous voulez, soumis à des sanctions illégales. Donc, puisque le Mali a fait défaut de paiement de ce qu'il devait, les intérêts qui ont été apportés comme ajout, le Mali ne les paye pas. Au cas où les créanciers insistent, le Mali part en justice. Si le Mali gagne le procès, alors ce sont les 7 pays. Normalement, c'est 8 pays. Je le dis, le Mali en dehors, ça fait 7. Donc, eux, ils vont payer parce que c'est de leur fait, c'est leur action, c'est leur comportement. Ça a été des décisions politiques et non des décisions juridiques. Donc, juridiquement, ils ont tort. Alors, il va falloir qu'ils payent. Je l'ai dit, ils peuvent décider de ne pas payer, mais le Mali va maintenir sa plainte. Tôt ou tard, ils vont payer. S'ils ne payent pas, leurs enfants, leurs petits-enfants ou leurs arrière-petits-enfants, ils vont payer. Et puis que le Mali aussi porte plainte contre la CEDEAO pour payer les dommages et intérêts causés au Mali. Le fait que le Mali a été, d'abord, le nom du Mali a été souillé. Tout ce que le Mali a subi d'injuste, d'illégal de la part de la CEDEAO, alors on va porter plainte. Si la CEDEAO perd le procès, on demandera à la CEDEAO de payer des intérêts au Mali. Dommages et intérêts. Je le dis, j'insiste et je persiste. Je demande à nos autorités, ce n'est pas parce que les sanctions seront levées demain et puis on va dire c'est fini. Ce n'est pas fini. On lève les sanctions demain, le Mali introduit toutes les requêtes possibles en justice contre la CEDEAO, contre l'UMOA, pour qu'ils comprennent qu'on ne s'attaque pas comme ça, injustement, à un État. Il faut une base juridique. Il faut une bonne raison. Qu'est-ce que le Mali a fait pour mériter ça? Qu'est-ce que le peuple du Mali a fait? Donc il faut que le Mali soit clair dans sa démarche. Et j'ai dit aussi que le Mali doit clarifier sa position par rapport à cette histoire de CEDEAO OTAN. Par rapport à la Russie, je l'ai suffisamment dit, je l'ai suffisamment développé, on va s'arrêter là. Maintenant, on revient, partagez, faites monter le mercure, on revient au point chaud. Ça, c'est Assimi Goïta. Alors, partagez les gars, partagez, faites monter le mercure, partagez. Alors, on vient ici. Voilà, on va revenir ici. Faites monter, hein. On va lire.
La nouvelle loi électorale permet à Assimi Goïta de se présenter à la présidentielle sous quelques conditions. Voilà. Une fois, attendez, hein, on va lire. Hein. Partagez. La nouvelle loi électorale et la charte de transition révisée ouvrent une brèche qui permet théoriquement à l'ancien, à l'actuel président de briguer la magistrature suprême. Écoutez bien. Une fois cumulée, la nouvelle loi électorale et la charte de transition révisée. Donc, Nukuma Bayra, ko shariam kalata ke la shariam ka CNT bolo juma temene. Ani charte de la transition révisée ni assise nationale de la refondation. Oluya ira ko Assimi Goïta abse ki présenté ka ke candidat. Mais condition do de be si la demande de be ni Olu Basigila Assimi se ka ke candidat. Au Mali, le Conseil, le disait, une nouvelle loi électorale qui permet une fois, cette possibilité n'a pas fait l'objet de débats houleux. Ayame, lors de l'adoption de la nouvelle loi électorale par le CNT, qui a apporté 92 amendements au projet de loi par le gouvernement sur un total de 200, normalement c'est 200, c'était 225 articles, mais au coucou le réel d'Oboa l'a pour faire 219. Ouya yira, nyo de fo, ko yuro mba to ni Assimi bise ka ke candidat. Fem mba to, dalwa mba to ni Assimi bise ka ke candidat. Ko ou sele o yuro mba, si ente kono, ko manga machaya. Parce que yuro do la, manga mba de wula, me ko yuro la ko manga machaya. Obe ko do yira mbo la. Kokuma ba makei. Mais kuma ba kela yoro mna. Alors que en réalité, ni yoro de la, kuma ba tunanga kei. Mouma yira ko Assimi bise ka ke président. Mais kuma ba kela yoro jman la. Ko shugel ko, ko ni sharia, kalata blumba bina sili. Ale bina moro nandi, sente président be moro sabadi. Mangan ba kela yoro de la. Fanini banini kele di. Dorama sugu be kele indi. Mais à fola ko Assimi bise ka ke président. Maga make. Donc, aïe partage, aïe kalaka maïe partage. Parce que malien bek louganga donina, malien bek anga ni famia, na ya jaye ni yorok mouroun tige kabla, malien bek anga ni me. Donc, amna, mina louan nou de nini kouira aula, louan mounou be akumake kanyi. Parce que à article beo, mina article nini, kouira aula. Ni article ouira aula. Aba don fem aya partager blagadji. Attendez, je reviens maintenant. Voilà. Maintenant, aya blagayele. Voilà. Voilà. Au sein de l'organe législatif de la transition, le sujet a fait l'objet de discussions et l'article en question a été amendé avant son adoption par la majorité des conseillers en attendant une promulgation, de la loi électorale par le chef de l'État. Mais là, cependant, avec moi la mécanique. Pour les élections pendant la transition, les membres des forces armées ou de sécurité qui désirent être candidats doivent démissionner ou demander leur mise à la retraite au moins 4 mois avant la date de l'élection présidentielle, précise l'article 155. Oui, Sharia Kouroi, 155. Mais Sharia Koro. Oui, article 164. Oui, charte de la transition révisée. Article 164, dans son deuxième paragraphe. Donc,
À mon sens, l'article 155 de la loi électorale est très clair dans la mesure où il contribue à ancrer dans l'imaginaire collectif l'éventualité d'une candidature de l'un des membres de l'ex-Conseil national du salut du peuple, CNSP. Donc, cher Akram Sigila, article 164 au charte de la transition révisée au ko ni soasio soasi ni ba fe ka ke candidat transition kon la ikanga ka démission rendue ou bien ka nyini ki ka bla retraite anticipée la au moins kalu woro yani élection tie mais article kroa la oui article 155 kalata ke la muna juma temeni au ko ibse ka ke candidat 4 mois avant les élections. Donc, ni élection toi et Kalunani, il y a démission rendue, ou bien il y a retraite anticipée là, et puis il y a présenté comme candidat à l'élection présidentielle. 6 ans, Sharia Kroa ou et Kalunani, charte de la transition et Kalouoro, Amanaka Tchoukou, Kalouf la différence des pays. Mais, élément important du moins, a élément important ba yira ala ka hira la atete tle kelente momo ni e coup d'état ke ki e transition organisée a yira la ki tse ka ke candidat mais mali a yira ki bise ka ke candidat 6 mois avant les élections il veut démissionner ou bien 4 mois avant les élections il veut démissionner. Kalo woro mi kalo nani ibi démissionner ibi ka manda iba nyongri ibi se mois ibi préparer ki ka candidature présenter o dia to nyafo atume munu nyena kwa simitise ka ke candidat abe munu nyena ka simitise ka ke président ntafo fo yo re kama ntafo asimika chenya kama ntafo kwa simime fendo ka pe mali beka. Ma foi, parce que détermination be asimila, engagement bala, jamana kanum bala, il mérite à y baram damneni jamana dun togol, il mérite qu'à y bara la ban, anga san duru ou san tanware dama, ala mono blamoro mushikono, a kase ka bara la ban, a y fem damne, anka na to, ni amina fo, nasimite jonedo, ne keita eren yeren ningani kumala dongodo, nasimite jonedo, nasimite asimidedo. Après Assimi, c'est Assimi. Donc, amina nini ala kan demen, kan mouro nyouman, nganyan nyouman, anou luka se ka anti de nyongona, kan bolo di nyongoma, anga se ka ni barake. Amen ni barake chodi, kan nini malyon fe, malyon reka boka petition lance. Ko ama fe, ko Assimi kato fanga la otere, Asimika fanga nyongri na ni transition totro akalo nanu ben kaloro Asimika démissionné Malion rebe ijo Asimika dépensé na ga fembe koro aka caution na ga fembe Malion rebe Asimika dossier préparé kata présenté Asimi il démissionne il devient candidat à la présidentielle Asimika gagné ambo de nyini atume momo hakila koni Asimite ambaka chukodi aya funyana ko kibarya duma aya mekita da anarane kibara dumai amae moko bando filan de la mode fort de modu min de fo mo communication ni yoro ni kibara duma tun do be sharia kono mo shima se ka boka ambo filila be de tula e fanen kelade banen kelade sente betane sente dolata oui sente kujugu badeke sente amodon mais yoro do be ani tellement ni temps perdre sente ga anyina na ko ja d'après se utumara ja ko le maréchal Assimi Goïta ja absika ke candidat ensuite moi ote sente ga barere. L'article 164, il y a un appel gagné. 164, charte de la transition, corollé, a révisé. Donc,
L'article 164, Oya Irako Asimi Bisika Kaye candidat. Mais, il y a une élection qui est Asimi Kassika avait démissionné 6 mois avant. Donc, Asimi Bisika Kaye candidat. Ni moro moro, si ça qu'on a flic bana, en tout cas, Kaye Kaye Sekoke. Alaya to, nye dalaka, ma maranyere. Parce que, moro djou de be kibara yuman soro. Kabo garda yere, nye kibara yuman soro, iba djenze bega, beki natan soro la. Nyafo, Asimi Bisika Kaye candidat. Galon de nye tala. Nye charti revisé ta, article 164, Asimi Bisika Kaye candidat. Ouye, chère Akura Mbote Djuma Temeni, article 155, Asimi Bisika Kaye candidat. Donc, fouette Asimi Kaye candidature à Bali, ni transition qu'on l'a là. Fouette à Bali. Mais, à tes galoukouma me yoroshi, à quel est-ce qu'il faut tchinta là? À quel est-ce qu'il faut mourota à Kalamo? À quel est-ce qu'il faut koketa te? Koketa de dos? Asimi, il peut être candidat. Mais avec bon malin, on a dit la saison. Ne kibara la se aouma. Ne mouma djala. Au kata charte révisé de la transition ta au kakala. Article 164. Moune seveni ma kono. Ami, loi kura mou voté la ne me asimi ma promulgué. Au kata ta kala dje. Article 155. Moune ba kono. Donc, kala dje. Kala dje. Kala dje. Moune bise kake, ni tchye de do. Anga baro, baro langolo be dabla. Adjala senteo, amadja senteo, Asimi sera kandida. Parce que charti a ira, konaye Asimi dia, ki pete kandida. Sente doun, out mega, chera kouram karatake, Ou chimou boulou magoro la kouté son yoroma. Donc, il n'a fossi sa abena mali bedima, abena malion bedima, abena malion bedima. Donc, Asimi, il peut être candidat. Amou foko djia. Donc, ode kama, alaga hinana, atete tlete de ka foka be takasini, takasini tina. Comme ta gasigotena mais sans duru que mena mais sans tant que mena atete tara est sans tant que sans tant quoi fona na os ni jeno to la ko sans tant ne ni meni ba e kalo robe kalo nani élection me organiser ni ala ki te ibisi donc si san bele kanga wuli ka chesiri ni kola ni anya donc Asimi be chien kono nanya donc Asimi be baranyumande la Nanya donko Asimi de Bisika Jamanan Bonorola. Nanya donko tiere la Asimi Jamanan fe. Anreka ke Asimi fe. Anga komanse kan kuma fo Yorobela. Anga fo anga geron la. Temi geron. Baroka Yorobe ka bela lonial. Ku Asimi Goita. Il peut être candidat. Abina bon malion de la. Akanga bon malion de la. Mais, alhamdulillah. Bitou ni keta folo di volaga ni kumake. Me ma nyini ndoko nufe, yuko beno, yuko buu mabelo, yuko juri shershero. Nte toko nyini, me ma nyini ubefe, ukatu hagili jagabo, nye mufo ni chiendido, uka wuli kujo. Pour la première fois ma nyini ufe, uka ndeme. Kani, beka ni, keletele, beka kumalase. Habituellement, kelminga keleke, alabitila kanga chien segima. Mais ni zimba ni nous ou berfe, en affaranyonga, ta Asimi koni, ta ke chesiri, ta yirako, mali de be Asimi fe. Mali koko Asimi, mali be Asimi fe, en begam bolo de nyongoma. Neko Asimi, les petits détails là, moi je lis pas ça, Joe, je suis Joe, je vous en prie. Arrêtez ça, vous êtes des musulmans. Si vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas besoin d'être ici. Ne venez pas me parler de Malik Diaw, mais de quoi que ce soit. Il peut faire quoi? Il est qui? C'est Dieu qui détermine. Tu savais que Ibeka allait mourir? Tu savais que les choses de cette manière? Tu t'attendais à la mort de Général Moussa de cette manière?
Tu t'attendais à la mort d'entêter de cette manière? Pourquoi vous êtes là, vous mettez les gens en direct de Dieu? Arrêtez de sortir ces gens de commentaires là. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Pensez ce que vous voulez penser. Et ça, je m'en fous. Dieu ou pas, je ne le connais pas. Je ne cherche pas à le connaître. Il ne m'intéresse pas. Alors,